Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirate Quartermaster. On se retrouve avec notre bande de joyeux forbans, notre très grand bateau, ça fait bien plaisir. Et on était en train de sortir de plusieurs combats, donc j'ai mis un maximum d'équipes, que des gabiers, 4 gabiers pour réparer la voile. Parce qu'elle est quand même dans un sale état notre voile, hein, faut dire ce qui est. Donc ils vont s'y mettre à fond. On a une personne qui nettoie, une personne qui répare à côté. Mais il faut quand même qu'on arrive à avancer vers notre objectif, hein. Parce que pour l'instant on est un petit peu coincé. Donc si on a un nouveau combat, je vais essayer de faire en sorte qu'on le prenne pas. Ah, partager le butin, ça me va bien. On a quand même une belle part. Il y a 1230 primes. Pff, ça pique. Pile poil, parfait. Et du coup, il y aura une part de 200. Bah écoute, c'est pas mal, hein, déjà. Et on a 18 bouteilles d'alcool qui seront données. Allez, ouf. T'as perdu un œil et t'as été blessé. Lui, il a sauvé 4 marins quand même, hein. Très très bon ça. C'est bien joué, c'est bien joué. Le maître voilier. Jambe droite perdue, jambe gauche perdue, mais t'as repéré de navire quand même. Hop. J'aimerais que vous proposiez une nouvelle chasse partie que nous ferons voter si elle me convient. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Une bouteille d'alcool, oui, on va pas quand même penser à pas prendre d'alcool. Ça me paraît une mauvaise idée. On pourrait baisser encore les primes, mais... à mon avis, ils vont faire la tronche, ouais, on est d'accord. Ouais, l'équipage est pas content si on lui donne pas de prime. Hein. On va donner une grosse prime. Une petite prime. Ouais, on peut pas vraiment changer grand chose. Hein. Ouais. On va essayer de voir si je baisse les primes, est-ce que je peux faire quelque chose. Ouais. Si on met des coups de fouet, ils pourraient accepter, hein. Diminuer les primes pour qu'on se fasse encore plus de thunes. Est-ce qu'on peut éviter que les différences soient tolérées? Ouais. On peut tenter, intérêt du capitaine moyen, on va tenter. 16 votes pour! Ah bah... pourquoi s'emmerder? Allez, c'est parti. Comme ça, au moins... au pire, on leur met des coups de fouet, mais on évitera de perdre des gens débilement. Alors, dans quel état est notre voile? Allô? Voile? On n'a pas de gabier, c'est ça que vous me dites. J'ai pas mis de gabier. Ah, y'a personne. Oui, voilà, c'est ça, y'a personne. Reprenez vos positions. Dans quel état est notre voile? Elle est nickel chrome. Parfait, on va enfin pouvoir avancer un peu. Par contre, la coque, elle est pas nickel chrome. Hein. Et toi, tu serais pas notre coque? Si, toi, t'es notre coque. Donc, toi, tu vas aller à la coquerie. Il nous faut du coup un. Une nouvelle vigie. Bah on va peut-être ponctionner quelqu'un au gréement. Le pêcheur, non. Un matelot, non. On va prendre le Bosco, on va l'envoyer à la vigie. Il ira un petit peu moins vite. Mais on a déjà deux personnes au nettoyage, on voit que malgré ça on a des toiles d'araignée, donc... Souffrant en train de filer un médoc.
Allez, enregistrer ces nouvelles positions là. On a personne qui répare, ça me fait un peu chier. Bon, on mettra la personne qui n'avait pas de coque à réparer au prochain tour. Alors, on va plutôt vers le nord-est. On avance doucement, très doucement. Très très doucement. Mais bon, bah, au bout d'un moment... C'est vrai que dans ce navire là, mine de rien, on pourrait avoir plus de personnel. Hein. Alors, un navire marchand du type cargo à voile, il est moins armé à moins d'équipage, ligne de flottaison haute et la force du vent est de 6 nœuds. Il y a moyen, il y a carrément moyen. Au niveau des armes, toi tu fais quoi de beau dans ta vie? Frappe fort, mauvais tireur, tu vas prendre un sabre et un poignard. Toi t'as un poignard, tu vas prendre une lance. Est-ce qu'il y a des gens qui sont mal équipés? Toi t'as juste un poignard, mauvais tireur, bonne défense. Prends donc un pistolet pour t'entraîner. Allez, c'est parti. Ouais, les voiles, boulets ramés, pardon, j'étais en train de, une fois de plus, essayer de comprendre l'ordre de fuite, mais ça me paraissait bon, mais... Allez, on recharge, ça rafraîchit, ils ont trois canons les petits cons. Et nous on tire comme des merdes. À couvert. Et on les rattrape quand même largement. Hein. À couvert. Allez, pas de pitié, à couvert. Putain, il recharge vite. Hein. Ah, les petits salauds. La coque, boulet rond, rechargé. Coulez-moi ce bateau. À couvert. Les petits Saigo. Ah, on a détruit un canon, parfait. Ça fait un canon de moins qu'on pourra piquer, mais... On va les choper, là. Avant qu'ils rechargent. Oh, allez, parfait. À l'abordage. Feu. Allez, moussaillon. Oh, dans ta tronche. Allez, on passe de l'autre côté. Coulons le navire. Coulons le navire. Oh, allez, coulons le navire. Pas là pour s'emmerder. Prenons les gros canons. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de beau? Ils ont pas beaucoup d'or à piller, hein. Ils ont des boulets, un petit peu de boulets, ça nous fait du stock, un petit peu de bois, de l'alcool, des vivres, on a un peu le temps de manger, du tissu, on est blindé de tissu toujours, on n'a pas d'emplacement vide, hein, non, on n'a pas d'emplacement vide. Ok, bah faisons ça. Et c'est l'heure de distribuer des rations. On n'a pas suffisamment de mets, donc on va partir sur de la bouffe standard. Et on va peut-être mettre un petit peu d'alcool dans notre eau, même si elle commence à être un petit peu croupie. Ça fera pas de mal. Allez. Ajouter jusqu'à ce qu'on soit à 8. Voilà. Dans quel état est notre voile? Pas ouf. 45%. Gabier, pêcheur, ouais. Il nous faudrait des réparations aussi. Donc toi tu vas réparer. Toi tu vas réparer. La vigie elle reste là, la barre aussi, on en a deux nettoyages. Tu continues de faire des petits plats. Alors on va en plein dans la tempête. Allez, c'est parti.
Les marchandises et éclats de bois erraient sans nul doute au-dessus d'une épave récente. L'équipage a pu récupérer la majeure partie de ce qui flottait. Du bois. Bah parfait, refaisons nos stocks. Et comme prévu, on est un petit peu dans la tempête. Ce serait bien qu'on s'en sorte si possible de cette tempête. Reprenez vos positions. Alors, on n'est pas hyper bien réparé. Hein. Que dit la carte ? La carte a dit que si on veut se barrer, il faudrait qu'on parte. Bah, on peut pas en fait. Pour attirer les bords vers le nord-ouest. Et on commence à manquer de personnes, c'est un truc de fou. À la pêche, non. Bah non, bah réparation, hein. Toi tu vas aux réparations. Toi tu vas à la vigie. Il faut me réparer ce bateau là, il croule, il est croulant là. Oula, on a des gens qui sont un petit peu verts de... Amine il est un petit peu souffrant. Hop, toi aussi t'es souffrante. Allez, c'est bon. On continue de réparer. Toi tu glandes. Alors normalement sur ce quart on a beaucoup beaucoup de gabiers, donc c'est parti. Ou de gabières d'ailleurs. Toi tu vas aux réparations. On garde quelqu'un à la vigie. Une personne à la barre, une personne à la vigie. Beaucoup de personnes au gréement. Qu'est-ce que ça dit ? Une tonne de tissu et deux quarts pour un gabier, ce qui veut dire qu'à deux gabiers, ça suffira pour réparer. Même avec 30% en plus, ça devrait suffire. Donc on peut en envoyer d'autres réparer ce bateau. Normalement, on a plein de marteaux à clous, marteaux et clous. Donc ça devrait le faire. Et on va sortir de la tempête si on va vaguement dans cette direction. On se galère un peu là. Ok, notre voile devrait être au top, parfait. Reprenez tous vos positions. Toc, le pêcheur il est là, le matelot il est là, parfait. Niveau réparation, on n'est pas encore terminé. Hein. Niveau nettoyage, c'est pas ouf. Encore quelques toiles d'araignée, deux à nettoyer, c'est un peu juste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le pêcheur réparer un peu. Et on va essayer d'avancer. Allez, plein nord. D'ailleurs, il faudrait même qu'on aille plein est en fait. On s'est pas mal déporté vers le nord. Hein. Du coup, plein est, c'est pas fou, mais. Ah, Amine est devenu musicien. Enfin, musicienne en l'occurrence. Alors, un navire marchand du type cabine à voile. Avec une force du vent. Non, ça ternirait nos relations avec les bleus. Faut qu'on avance là. Faut qu'on avance. Allez tout le monde. En avant. Ah, on voit encore des trous. Hein. Il n'est pas encore en état notre bateau, c'est fou. En fait cette coque est assez efficace, mais par contre, elle est longue à réparer et coûteuse à réparer. On a bouffé la moitié de notre bois. Et on a un vent de merde, parce que pourquoi pas avoir un vent de merde. Allez, on va descendre un petit peu. C'est parti. On n'est pas encore bien réparé. Alors on a vu un vaisseau avec un pavillon bleu, un navire marchand type cabine à vapeur, on a 4 nœuds de vent. Allez, on va se le faire celui-là. Juste ça, il n'y a pas forcément de logique dans mes choix. Toi t'as pas d'arme, prends une hache. Toi t'as un poignard, prends donc deux poignards. Toi t'as pas d'arme, prends un poignard. Ok, c'est propre. En avant. Boulet rond. Non, pardon. Putain, j'y arrive pas. Les machines. Boulet rond. On le poursuit. Feu. Qu'est-ce que vous foutez? Détruisez-moi ces machines.
Rechargez-moi. Hop, le ventre. Ouais, forcément, hein. Peu de vent et peu de vent et ligne de flottaison basse. Donc ils vont être compliqués à couler parce qu'ils vont vite. À couvert. Ah, ils ont détruit un canon. Attends qu'ils aient fini de recharger de nouveau. À couvert. Putain, ils ont détruit un deuxième canon, sérieux. Parfait. La coque, de nouveau des boulerons, rechargez-moi ces canons. Détruisez-moi ce bateau. À couvert. On recharge. Ouais, ils sont efficaces aussi. Hein. J'ai l'impression que les gris. C'est de très très bons combattants. Ils se rendent. Parfait. Quoi? Ah! Ils nous ont tiré dessus à bout portant. Les traîtres! C'était un piège! Et ils ont blessé quelqu'un. Je suis d'accord, coulons le navire, les traîtres. Ah là là, les traîtres quoi. Vous êtes témoins. Les petits salauds. Du bois, c'est parfait. Des boulets, très très bien. Du métal, de l'alcool, de l'or. Des vivres. Tissu, tissu. Est-ce qu'on prend du charbon ou du métal? Bof. Hop. Ah là là, et on a perdu Aka Enurus. Oh, notre coque! Oh non, c'est notre coque qui décède, quoi. Bon, bah. C'est con, on venait juste de récupérer une coquerie. Bon, on va envoyer quelqu'un d'autre. Hein. Bon, après, le bon côté, c'est que c'était un homme. Et on veut un équipage que de femmes. Mais, ouais. Ça picote. Putain, notre voile est encore dans un état de lamentable, putain. Ah là 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 là, on va jamais s'en tirer. Au gréement, reprenez vos positions, les gars. Voilà, 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 il faut qu'on mette le paquet sur les réparations. Toi, tu vois, réparation. Au gréement, au gréement, au gréement, parfait. Toi, t'es à la barre. Une personne au nettoyage, ça ira bien. Réparez-moi ce foutu bateau. On va. Plein est. Voilà, on avance quasiment pas, mais c'est pas grave. Vous surprenez le capitaine en train de glisser des vifs sous ses vêtements. On le dissuade. C'est bon. Ça permettrait qu'on soit obligé d'élire un nouveau capitaine. Enfin, une nouvelle capitaine. Ouais, ça donne quoi là? 83%, il faudra un quart pour un gabier. Ouais, non, c'est bon, ils sont en étoile, en état nos voiles là. Faut arrêter les conneries, faut qu'on se bouge là. Faut aussi qu'on répare un peu. Gabier, musicienne, musicien, tu vas réparer avec celui qui nettoie. Non, on a des toiles d'araignée partout là. Allez, on va prendre 3 gabiers de réparation, on avance bien. En plus, on a le vent bien dans le dos. Et on va finir par se lasser, il va falloir qu'on change d'objectif. Un radeau de quelques planches noircies par le feu portait un naufragé presque inconscient. Après être monté à bord, mais tout son tac nous a demandé s'il pouvait nous rejoindre. Une chauffeuse. Allez, viens. C'est pas idéal une chauffeuse vu qu'on a un navire à voile, mais elle pourra apprendre à faire autre chose. Et bah mine de rien, on a besoin de donzelles. Alors, poste de combat au canon, voilà, ça ira de personne de plus au canon. Et qu'est-ce que tu vas faire de beau? Reprenez vos positions, on est 3. Allez, on a qu'un seul gabier dans ce quart. Ah non, on a une vigie aussi. Une vigie qui est gabier, le Bosco là. Toi, bah tu pourrais aller à la coquerie, écoute.
commence à être malade, notre hygiène est un petit peu trop mauvaise, je pense. Souffrons depuis 7 quarts. 6 quarts, un médoc. Toi tu souffres pas. Toi tu souffres que depuis 1 quart. Toi aussi. Toi aussi. Pour l'instant vous allez vous en remettre. On va peut-être devoir sacrifier la coquerie, hein. Pour réparer un peu. Alors, on va plein est, c'est parfait. En avant. Ah, un tas de vieilles caisses. On peut récupérer quelques boulets. Pourquoi pas. Et surtout du bois, ça c'est cool. Soit mine de rien, ça devient tendu de bois. Hein. Et notre bateau est toujours parmi. Hein. Alors, toi tu glandes. Malvin qui glande. Pourquoi est-ce que je ne suis pas surpris? Toi tu vas aller à la coquerie, on va enregistrer les positions. Il nous faudrait une personne de plus qui répare. Elle est un peu bourrée, la chauffeuse est un peu bourrée aussi. Il nous faudrait une autre personne qui nettoie réellement, mais on va mettre une personne en réparation. On avance pas là, on avance aussi peu même avec le vent dans le dos, hein. C'est le drame, nous sommes immobilisés. Durant leur repos à l'aide d'un vieux baril, Egedjup et Malvin se sont exercés à mieux maîtriser leurs armes. Parfait, et Egedjup est ivre en plus, heureusement Malvin a réussi à éviter, éviter de se faire couper la tête. Au niveau des armes d'ailleurs, hop, toi tu vas prendre une hache, poignard, sabre, mousquet, toi t'as juste un poignard, c'est pas ouf, tu vas prendre un sabre plutôt. Toi, tu vas prendre un poignard avec ton sabre, toi t'as deux poignards, c'est plutôt classe, toi t'as deux poignards aussi, un poignard, un pistolet. Prendre un poignard et une lance. C'est parti. Alors les réparations, il y en a encore à faire. En quelle faute de mieux, elle répare. On avance tranquillement vers notre carte. Ah, et on a un nouveau gabier. La capitaine qui pioche dans la réserve d'or. Non mais ça va suffire un peu là. Oh. À la renommée d'un protagoniste de ragot. Vois son nom fuité de la bouche des commères. Bonne résistance, bonne défense, frappe fort, bonne tireuse. Bah ouais, mais bon. On a 2700 d'or, nous. C'est pas mal. Par contre, on connaît rien aux maladies. Si vous le dites. Notre morale est pas fifou, hein. Il va peut-être falloir qu'on voit si on peut pas mettre des gens. Enfin, si on arrive à trouver la. Si on arrive à trouver le trésor, on sera mieux. Hein. Il y a encore besoin de réparer là. Genre, si je te mets en réparation, toi. Ouais, on a plus de bois, hein, donc on va terminer les réparations. Et apprendre à continuer. Oh, on a le vent dans le dos. Bah, du coup, le vent dans le dos, ça veut dire que. On a le vent de face, pardon, absolument pas dans le dos. Ça veut dire qu'un maximum de gens en réparation. On va garder 3 gabiers, histoire d'avancer quand même vaguement dans le bon sens. Un navire marchand avec un pavillon gris. Une ligne de flottaison haute, donc a priori il est chargé, la force du vent est de 5 nœuds, et on pourrait s'approcher aisément. Pillons ce navire. En avant. Allez, c'est parti. Sortez-moi cette voile. Visez-moi les machines. Empannez, boulet rond. Détruisez-moi ces machines. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ont pas de canon sur ce flanc là. Si, je le vois pas. Ok, il doit être planqué là, il y a un petit bug graphique peut-être. Putain, il recharge vite en tout cas.
Un marin à terre, ne lâchez rien. En même temps, on a des gros canons, donc forcément... Voilà, les machines sont détruites, la coque, boulet rond, rechargé. À terre, empanné. Feu. À l'abordage. Où est le dernier? Ah. Il s'enfuyait. Ces chiens nourriront l'océan. Bah écoute, si tu veux vraiment devenir pote avec des gens, il va falloir arrêter de les couler, hein, mais c'est toi le capitaine. Hein. Après tout. Ça c'est du... Ouais, c'est bon, c'est du bon truc. Alors, est-ce qu'ils ont un peu de bois? Ah, ils ont pas de bois. Ça va devenir piquant. Ils ont du charbon, ça nous sert à rien. Ils ont du boulet, ça nous sert vaguement. Ils ont des vivres, ça nous sert vaguement. Ils ont de l'alcool, ça nous sert à rien. Le tissu, on peut éventuellement se débarrasser d'un truc de tissu en échange de... éventuellement d'être vide en fait. Hein. De vider peut-être un peu de trucs pour aller plus vite. Ce sera dommage. On prend un peu de métal. Un petit peu d'alcool supplémentaire. Ça marche toujours bien l'alcool, puis on va pouvoir leur en donner en plus. Ah, on a perdu un gabier pendant le combat. Bon bah, c'est la vie. Il y a un malade en état critique. Alors, deux portions pour le malade en état critique. Ration d'eau, ration d'eau. C'est parti. Ouais, on commence à avoir pas mal de monde un petit peu malade. Hein. Et notre flotte de 22 quarts. Alors, il nous faut un Bosco, parce que notre Bosco est mort. On va choisir Nurun, vu que c'est une matelote. Ils sont tous les deux pareils. Elle a moins d'ancienneté. Faible résistance, frappe fort, mauvais tireur, bonne résistance. Ouais, en fait elle est nulle, hein, mais c'est juste parce que c'est une femme. On va prendre ça, meilleure combattante. Voilà, boum, pas de... Oh, notre foulée, tout faut dans un état tout pourri. Non mais faut qu'on avance là. Ça suffit un peu les combats à la con. Des villes gris. Les gris sont neutres pour l'instant. Bah on va peut-être aller se planquer, faire un petit tour dans une ville grise du coup. Est-ce que si j'enlève ça on y arrive? Non, on n'y arrive pas. Là, on y arrive. Est-ce qu'on peut aller vers l'autre qui est plus proche de notre objectif? Non, visiblement non, c'est trop loin. Même à pleine voile. Même à pleine voile. Non, là ça passe, parfait. On va là-bas. On va là-bas, on va là-bas. On a plus de... On a le Bosco, on n'a pas encore pris le terrain, du coup on n'a plus de liste, c'est terrible. On n'a plus de vigie, mais c'est pas grave, on va en ville. Là ça répare, là ça nettoie, ouais il commence à être bien malade, le mec en état critique. On va lui filer un petit médicament. Les autres on va dire qu'ils vont tenir jusqu'à l'étape. Non il nous faut plus. Sicar, il nous faut Sicar là. Alors, et ben c'était le dernier duel normalement qu'on avait à se taper. Deux gabiers qui se tapent dessus. Bifup a été grièvement blessé. Bien joué, on est bien. État critique. État critique. Ben, on va claquer du médicament. Hein. Claquons du médicament. Alors, on a récupéré notre Bosco. Voyons un peu. Donc malheureusement c'est le soir. En plus on dirait qu'ils ont surtout du tissu, de l'alcool et du métal dans le coin. Point fort, vivre et tissu. Ici on sait pas. Ça nous arrange assez moyennement, mais bon. On va faire avec ce qu'on a.
Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va absolument pas faire ça. On va vider notre charnier. Ensuite, on va mettre 2 d'alcool dedans. Voilà, on va envoyer quelqu'un au puits. Hop. Il y a d'avoir pas mal de monde à l'embauche, on va regarder un peu. Au gréement, il nous faut nos gabiers. La chauffeuse au nettoyage, toi tu vas là, toi t'es aux réparations. Est-ce qu'on a encore des réparations à faire? Oui, on a encore des réparations à faire, il nous reste un fond de bois. Toi j'ai l'impression que tu ne fais rien. Oui, parce que t'es en aucun, effectivement. Et ben, au nettoyage, parce que les hyènes là, c'est vraiment pas ça. Que nous dit lui? Au centre se trouve un climat plus doux, moins chaud d'été, moins froid l'hiver. En quelques heures, c'est un climat qui ne perturbe pas. Ok, très bien. Alors, une matelote, pourquoi pas. Une chauffeuse, pourquoi pas. Et une matelote. Ok, qu'est-ce qu'on a dans notre équipage pour l'instant? On a 17 membres, donc on pourrait recruter au moins 2 personnes. On va prendre la chauffeuse. Ouais, quoi que non, on a besoin de gens. Les matelots, en fait, l'avantage des matelots, c'est qu'ils apprennent un métier 2 fois plus vite que les autres. Donc, on va les embaucher. Il est plein votre navire. Ah zut. Ah bah oui, non, je suis con, on était à 18 max, pas 2. 18, bah oui, 18. Hein. 18, 18, pas de soucis. Notre navire est plein de toute façon, t'as bien raison. On a 2 personnes en état critique. Et eux, avec un peu de bol, ils vont se remettre. Ouais, souffrant depuis 6 quarts, ça devient tendu. Hein. Je devine qu'une partie du navire coulé par nos canons a dû avoir survécu car une fois arrivé en ville, j'ai parlé de nos faits et des relations que nous avions bouleversées. Ah merde, est-ce que les gris commencent à... Ouais. Ça devient tendu. Ça devient tendu. Alors vous faites rien parce que les réparations c'est terminé. Toi tu vas à la coquerie. Au gréement. C'est pas encore si fou. Toi t'es réparation, mais il y a de quoi réparer encore. Non, de toute façon il y a plus de bois donc risque pas. Occupe-toi des malades. Toi tu ne fais rien. Écoute, va nettoyer. Non, l'hygiène est un peu mieux. On voit qu'il n'y a plus de toile d'araignée. Dans quel état sont nos voiles? 87%. Il faut un quart pour finir de les réparer pour un gabier. Donc ça suffit d'avoir un seul gabier. Du coup, on va envoyer quelqu'un au puits. On va garder juste le maître gabier là. Et au nettoyage, on est trop nombreux. On va envoyer quelqu'un au canon. Alors notre morale est relativement bon, hein, donc c'est pas la peine de faire de trop de musique. Même si ça reste cool. On a malheureusement pas trop le temps de glander. Suite à l'assassinat du prince de l'Empire Bleu par un jaune, une guerre a éclaté opposant jaune et gris contre bleu, noir et rouge. Ah! Il peut y avoir des guerres. D'accord, intéressant. Intéressant, intéressant. Alors je sais pas trop ce que ça fait, peut-être qu'on va avoir plus de navires militaires ou peut-être des gens qui vont être prêts à nous offrir des primes de corsaire, on verra. Alors la voile est réparée, état d'agrément à 100%, parfait. On a quelqu'un au puits, nickel. Au nettoyage, on est bien. Aux réparations, bah il n'y a plus rien à réparer. Donc toi tu vas aller à l'infirmerie. Toi tu vas aller à la coquerie, nous préparer quelques petits trucs. Malvin, au canon, et toi au canon. Voilà, c'est parti. On va essayer d'avoir de la nourriture d'un peu meilleure qualité. Voilà, il commence à aller un peu mieux. État critique, on va lui redonner un petit médicament, mais l'autre s'est relevé, donc ça c'est plutôt cool. Il y en a 11 femmes et 7 hommes, et on va arrêter l'épisode là. Alors, on va juste avant regarder ce que nous raconte notre livre du savoir. Ouais, c'est ça, on a découvert la zone tempérée. Si un médecin est présent dans votre équipage, les recrues seront plus tentées de vous rejoindre. J'imagine qu'il va écrire aussi.
Toc. Souvent dur en cessant d'expérience en abordage, son constance est capable de tenir l'alcool. Si un médecin est présent, les recrues seront plus intéressées. Mais pour l'instant, on n'a pas de place de toute façon. Donc on va s'arrêter là. On se passe bien, franchement ça se passe bien pour l'instant. On galère pas trop, bon bah dommage, on va pas pouvoir trop commercer ici parce que c'est la nuit. Mais on s'en occupera une autre fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous.